plantées les plus faciles à cultiver en appartement. Elles produisent de magnifiques fleurs coupées qui peuvent être jaunes et blanches, qui peuvent être lilacées, orangées, rosées. En définitive, on peut dire que les orchidées ne s'avèrent pas plus difficiles à cultiver que nos plantes habituelles. Et ce serait un cadeau génial pour l'anniversaire de mon père. Si vous avez des questions... Professeur Cavendish, pouvez-vous nous dire où en sont vos recherches sur la perle noire? Les travaux avancent lentement. Pas d'autres questions? Bon, alors je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Hey, t'as vu l'homme à la cicatrice? Oh, viens, j'ai plein de questions à poser au professeur. Excusez-moi. Oh, maudit brocoli. J'ai oublié mes notes. Vas-y, je te rejoins. Encore? Voulez-vous reculer un petit peu? Oui, comme ça? Merci beaucoup, oui. Parfait. Professeur! Professeur! Hmm? Vos lunettes! Quoi? Ah! Ah, merci. Maintenant, peut-être que je vais pouvoir retrouver ma voiture. À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Andrea Maria et mon ami, c'est Arthur. Arthur! Je sais pas si c'est à vous. Où avez-vous trouvé ça? À côté de vos lunettes. Fallait pas la prendre? Oui, oui, vous avez très bien fait. Je vous remercie. En tout cas, je pense pas que le balafré ait eu le temps de la lire. Qui? Ben, un des spectateurs quand je suis retournée dans la serre. Il y a une longue cicatrice sur la joue. Vous le connaissez? Non. Mais je vois que vous vous intéressez beaucoup aux orchidées. Ouais. Pour vous remercier, j'aimerais vous inviter à venir visiter ma serre. Hein? Disons demain à midi. Oui, oui. À demain. T'as remarqué le parfum bizarre du professeur? Oui. Comme du bonbon. Moi, ça me donne faim. Pauvre Nancy. Les traitements de chimiothérapie qui font ça. Elle va les retrouver après. Elle est vraiment courageuse. Mikis est en retard de 43 minutes. Moi, là, j'ai un coin de rue de plus à faire, puis ça me prend un gros 5 minutes. Salut les inséparables. Ouf, Mikis! Salut. Tiens. Wow! C'est surpassé mon Arthur. Oups! Excusez-moi. Hey! Elle est super belle! C'est pour Nancy. Hey, tu dois l'aimer, hein? Justement, comment elle va? On sait pas encore. Mais c'est gentil de la gâter. Et si on faisait une partie d'échecs? Ouais. Bon ben, puisque je dérange, Arthur Lancelot, je vous quitte. On se retrouve demain à midi pile, tac. Oui, oui. Hé,
Il est midi, professeur. Ah, mais oui, bien sûr. Avec ce mauvais temps, je vous attendais plus. Entrez. Oh, bonjour. Bonjour. Entrez. Bonjour. Bonjour. Allez-y, promenez-vous, regardez. Wow. Professeur, est-ce que je peux prendre des photos de vos orchidées? Ah, bien sûr, voyons, bien sûr, jeune homme. Il y a donc deux sortes d'orchidées? Les phalanos et les cathléas? Les phalanéoptis et cathléas. Voilà. J'allais justement le dire. Selon certains botanistes, il y aurait 25 000 variétés d'orchidées dans le monde. Elles seraient nées en Malaisie il y a une centaine de millions d'années. Hey! Peut-être que les brontosaures et les dinosaures, c'est une recette d'orchidées? Hey, peut-être. Professeur, est-ce qu'on peut manger des fleurs? Tu penses rien qu'à manger. Non, c'est une question très intéressante. En effet, la vanille, qui aromatise bien des desserts, provient de l'orchidée. D'ailleurs, j'en raffole. C'est lui! C'est le balafré! Son nom est Godefroy. Il a été mon élève pendant une dizaine d'années. Je vous en ai pas parlé hier parce qu'il y a des souvenirs qu'on préfère oublier. Hey! Il n'y a pas de cicatrice. C'est arrivé au cours d'une expédition, hein? En Amazonie. Un accident malheureux. Vous savez, bien des chercheurs d'orchidées sont aussi imprudents que des chercheurs d'or. C'est triste. Le balafré, Godefroy en cultive aussi? Oui. Enfin, je l'ignore. Ah, voici les plus belles récompenses que j'ai obtenues pour mes recherches et mes travaux. Je vais prendre une photo de vous. Ah ouais. Il y a d'ailleurs une légende au sujet de ces foulards de soie. Racontez-la nous, professeur. Oui. Venez. Alors, autrefois, la déesse Pétula, qui était vêtue d'une longue écharpe de soie, était venu sur l'île de Java afin d'aider les hommes à acquérir une certaine sagesse. Or, cette déesse Pétula... Les hommes se sont moqués de la déesse, mais elle les a punis. Mais en repartant au paradis des dieux, des fils de son écharpe de soie sont restés accrochés au sol. Et se sont transformés en orchidées. C'est pour ça qu'elles sont tellement belles. T'es sûr que ça va bien? Ah! Oh! Oh, maudit brocoli! Déranger, hein? On voulait faire un reportage pour le journal de notre école. Mais on peut revenir une autre fois. Non, restez. Comme vous le voyez, j'ai été cambriolé cette nuit. Avez-vous appelé la police? Non, pas encore. J'ai des choses plus urgentes qui m'attendent. On m'a volé un de mes foulards de soie et puis mes notes les plus importantes. Vos notes? Oui. Je veux créer une nouvelle orchidée. La perle noire? Exactement. Je travaille à ce projet depuis des années. D'ailleurs, je dois rencontrer en fin de semaine un collègue du Texas. Peut-être que vous pourriez vous occuper de ma sœur en mon absence. Et ce serait fantastique! Professeur, est-ce que vous avez des ennemis? Non. Et Godefroy? En effet... Il m'en veut de pas l'avoir secouru assez vite. Il avait juste à vous écouter.
Je sais bien, mais depuis ce temps-là, on dirait qu'il me déteste. D'ailleurs, étrangement, je viens d'apprendre qu'il habite tout près d'ici. Je peux pas croire qu'il a recommencé. Il devrait déjà être ici. Salut. Vous connaissez quelqu'un qui voudrait acheter ces magnifiques objets? Pas cher. Ils viennent peut-être du même endroit que ça? C'est pour Nancy. Je voulais économiser un petit peu pour les faire découvrir la Grèce. C'est bien beau de faire des grands projets. Mais si tu continues à voler, la seule place où tu vas aller, c'est en prison. Écoute, on n'a pas envie de te dénoncer. On veut seulement que ce soit les objets que tu as volés. Bon, OK. On connaît le professeur. On va rendre les objets à ta place. T'as les notes? Les cahiers? Ah! Oh, je les ai jetés. Je savais pas trop quoi faire avec. Mon petit brocoli! Allô? Ah, allô, Mikis. À 8h chez Arthur? D'accord. OK. OK, salut. Je le savais. 8h43. Pas possible. Bon, moi, j'en ai assez, là. Ma mère m'a dit de rentrer à 9h. Salut. Arthur, faut appeler une ambulance, vite, s'il te plaît. Ça va aller, ça va aller. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à votre ami? J'espère que vous n'êtes pas encore mêlé à une histoire impossible. Non, monsieur Lancelot.